Un pique-nique dans le jardin de La Fontaine à Nîmes pour protester contre la modification des contrats aidés. À l'initiative de cette journée baptisée le printemps des associations, des dirigeants inquiets de la baisse des subventions. Aujourd'hui, l'État est en train de mettre un dispositif d'aide à l'emploi et ce dispositif est diminué de moitié par rapport aux années précédentes. Donc on se fait énormément de soucis par rapport à ça, et non seulement par rapport aux emplois que sont les contrats aidés, mais également au niveau de la survie de nos associations. Des associations qui ont déjà été reçues 3 fois par le préfet du Gard depuis décembre 2010 et dont les requêtes sont restées infructueuses. Nous avons demandé des explications sur les nouveaux critères et les nouvelles attributions sur les contrats aidés donc du secteur non marchand dont nous faisons partie, puisque nous sommes des associations, et nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions, c'est-à-dire de travailler sur la durée sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut arriver à retisser du lien social. On le voit dans les quartiers où justement beaucoup d'enfants sont en difficulté et pouvaient prendre appui sur des associations de proximité. Actuellement, aucune fermeture n'est à déplorer, mais les prochains mois restent décisifs pour l'avenir de ces associations.